YouTube, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16, 17, 18, je sais pas, mais en plus il y a des hors-série et tout, c'est relou. Probablement 17, on s'en fout de toute manière, on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième arène. Le cinquième défi des arènes, le cinquième badge. C'est aujourd'hui et ça va se passer à Holchester, en avant. Je disparais parce qu'on s'en moque. Bien. Depuis le dernier épisode, j'ai fait une team, on a un peu XFR et Terre Sauvage, etc. etc. Et nous voilà, alors, j'hésite entre sol et combat, mais étant donné le point qu'il y a là, pour moi, c'est une arène de type combat. À mon avis. Hein. Je vous montre vite fait l'arène, au passage j'en profite pour déplacer mon Corvaeus, voilà, hop. Vous avez pu voir l'équipe. Si c'est pas le cas, vous avez fait pause et puis voilà. Mais là, vous allez la voir en combat. C'est pas très grave. Je vérifie juste que j'ai des choses en stock. Genre des super potions. Ouais, j'en ai 20. Ouais, à mon avis, c'est bon. À mon avis, on est bon. Toi, challenger, toi, ça se voit. T'es là pour tenter l'émission de notre arène, n'est-ce pas? Oui. Bon, file te changer dans les vestiaires, puis dirige-toi vers la salle de mission. Oh, je vais encore remettre l'uniforme dégueulasse. Je suis grave dégueu. Oh. Vas-y, numéro 14. Yeah. Combat 100%. What is this shit? Bien, je vais t'expliquer les règles de la mission d'arène d'Holchester. C'est simple, grimpe dans la soucoupe et essaye d'atteindre la ligne d'arrivée. Bon, tout en évitant les obstacles, je vais te lire un extrait du manuel de la soucoupe pour que tu comprennes. Comment la conduire? Pour diriger la soucoupe vers la droite, tourne à gauche, c'est le même principe dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ok. Pas de panique, tourne le stick rapidement pour vous éloigner. Tu devras rester bon courage, j'ai tâche d'éviter les obstacles. Allez hop, c'est parti pour la mission. Oh j'avoue, ça va être rigolo ça. Oh là là. Ok. Bon là, il y avait absolument aucun dresseur, donc c'est ok. Mais il n'y a aucun obstacle, mais ok. Pour le moment, ça c'est ok. Salut. Tu vas te battre contre moi, mais t'as pas la tête qui tourne. Pourquoi? Ah, pour la soucoupe. Ouais, bon, d'accord. Pablo. Nous nous sommes. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est combat. Allez. Ça me paraissait logique, mais. C'est juste la en fait c'est la déco du stade qui me paraissait assez étrange pour être combat. Allez, je pense que le one shot. Ouais. Super efficace. Avec le bec gris en plus. Clairement. Si ça tombe, on est niveau 9. Ah prends un aboiement. Ouais voilà, j'ai pris aussi des Pokémon cool pour non, on va pas changer. Pour enfin des Pokémon cool, des Pokémon bas level pour quoi cool, n'importe quoi. Pour les faire XP et donc aussi level up et surtout évoluer. Oh là, c'est trop bien, je vais one shot tout le monde. Oh, quel plaisir. Mais quel plaisir. Et hop, dans la série, monte au niveau 37. Les Zigzatons, on est niveau 13. Coup de boule. Ça veut dire que tu m'as fait tourner en burinos. Ah, c'est rigolo ça. Oh bah ça c'est drôle hein. Ah bah oui, là tu vois ma tête, je rigole hein. Je vais pas prendre le téléporteur, ça doit me re-TP à l'entrée. Bah yes hein.
Oh non. Oh. Oh, ça me tue les doigts. Oh, ça me tue les doigts. On spam. Oh bah, c'est 100% à gauche là. Oh, c'était 100% à gauche. Oh là là, ça va être si relou. Oh non, mais il y a tellement d'inertie, c'est tellement de la merde. Oh là 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 là, mais c'est tellement nul. Oh, mais c'est tellement nul. Là. Voilà, merci. Ta 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 ta. Oh yo. Mais alors, t'en penses quoi cette mission d'arène? Ça te fait pas passer un manège? Aiku. Je sais pas quoi penser de ce prénom. Aiku. C'est original, mais je verrais pas mon enfant s'appeler Aiku, vous voyez. Je sais pas. Mais c'est original, y a pas à dire. Mais ouais, je sais pas. Aiko, range tes jouets. Non, c'est vraiment ça le fait pas. Hein, je sais pas. Pour un chien, à la limite. Sans offense, hein, à tous les Aiko. Bon, l'esprit monte au niveau 31. Si ça tombe, monte au niveau 14. Ça m'étonnerait qu'il y ait des Aiko qui nous regardent. Mais si c'est le cas, bah bonsoir. Et puis profitez de votre prénom très original. C'est cool. Alors, retour de manège. Bah c'est malin ça. Oh là là, va falloir se jeter à droite là. Alors je vous avoue que c'est pas le plus ergonomique hein, tourner les sticks pour tourner. Ah ça c'est stylé par contre. Arrivé. Bon, j'ai pas eu à faire grand chose, mais c'était stylé. Ah, c'est fini déjà? Ah non, ok, il y a encore lui, j'allais dire. Alors, coucou. Ah, coucou, man. Florent. Alors, ça, bon, c'est absolument pas original. Un kikli. Un ch'ti kikli. Ouais, elle peut être tendue, toi, mais je vais la détendre. Allez. Espera! Putain, un one shot même des Kikli level 33, quoi, c'est cool. Oh, je trouve ça sympa. Zizaton, on est niveau 16. Alors, regarde Touchon. Ça, c'est quoi ça? Un Tignon. Bon, non, pourquoi changer? Par contre, tu fais beaucoup trop le show, Tignon, sache-le. Oh bah dis donc, il mode speed. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, hop, hop, hop. Chez ta mère. Voilà, faut pas entendre parler. Corvallis monte au niveau 39. Monte au niveau 17. Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait d'être un petit challenger. C'est ça, ouais. Sombre nulos. Oh, merci de m'avoir rappelé à quel point je suis nul. D'accord, ok, c'est un plaisir. Béoran. Hop. Et juste pour 4 PV. 5. Ça va, j'ai pas vu à quel level, à quel PV la première Béoran m'avait laissé. Oh. Mission completed. Bienvenue, Challenger. Je me nomme Faiza.
Dirais-tu que tu possèdes un esprit paré à toute épreuve? Laisse-moi donc en juger par moi-même. Faiza, la championne d'arène, veut se battre. Fight! Ce jeu de Pokéball, ça n'a aucun sens. Level combien? Ah bah non, mais ouais, non, mais en plus j'avoue, si y a le Dynamax, je vais le one shot. Ah non. 34. Ouais. Allez. Hop hop hop. En avant. Oh, le Corvaeus en Dynamax. Oh là 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 là. Oh, j'aimerais pas être son ennemi. Hein. Oh là, 208 PV. Oh, c'est un tank, bonsoir. Alors là, je crois que le Capoeira. Oh là, je crois que. Il va arrêter de danser. Hein. Il va arrêter de danser la Macarena, hein, Capoeira. Gorithmique monte au niveau 36. Zigzaton monte au niveau 18. Darnuée. Qu'est-ce que j'ai comme attaque bien nulle? Les chouilles, à la limite, ça peut paralyser. Dans tous les cas, Darnuée, ça fait plus de dommages que charge. Allez, re dans le combat, excusez-moi, j'étais un peu. Un panda barbare. Non, continue. Pourquoi changer? J'ai fait l'arène avec Corvaeus. Brise-moule. Et hop! One shot. Facile. L'esprit a évolué si tu as un type talent dans l'équipe et monté de niveau. Yes! Yes, c'est ce qu'on disait en début de live. Comment tu vas? Bonsoir. Mmh. T'es niveau 19. Pour ça que j'ai les Zigzatons. Un Palartichaud. Oh! Oh, attention! Oh, le Palartichaud! Bon, c'est pas parce que t'es level 35 que je vais pas te one shot en fait, hein, sache-le. Voilà. Mets-toi juste ça dans le crâne. Hein. Tu n'es qu'un simple canard avec une espèce de poireau dégueulasse taillé. Bon, c'est ce que j'en fais les poireaux moi. Non, les soupes. Voilà, arrête de me faire chier. Pas les flics montent au niveau 32. Zigzaton monte au niveau 20. Oh, deux évolutions dans la même game. Oh, ma cognure. La situation est critique, mais je vais pas me laisser faire. Ok, si tu veux. Je vais pas lui exactement. Hé hé. Hé, tout prévu. Oh merde! Ah, oh, ça tombe mal par contre. Ça va toi? Bah, ça va. Ça va, tranquillement. Gigamax en action. Ah, ça va faire chier par contre. Ouais, elle est vénère, hein. Mais c'est quoi ces jetées de Pokéball? Elle les jette n'importe comment. Oh là là! Ouais, tranquille, t'énerve pas trop. On est pas là pour ça. Ah, j'avais oublié ce détail. Fail one shot quand même. Aïe! Bon, oh, ça va. C'est ok. Tranquille. Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez, ça dégage. Putain que facile. Ah, ouais, facile. Corvaeus monte à niveau 40. Coupelotte monte à niveau 35. Zigzaton monte à niveau 21. Repos. Non, arrête avec tes conneries. Arrête 2 minutes. Tellement cancer qu'on va se faire marre par un ours. Ça me fait marrer.
Oh, cette dignité! J'ai ressenti l'esprit combatif de tes Pokémon. Bande de spiegles évolue! Et là, si je cancel, je me tue. Ouais! Bande barbare! Plus un Pokémon dans le Pokédex! Pandarbar, Pokémon patibulaire. Agressif, recours à la force pour faire taire ceux qui le contrarient. Tranche nuit, oh bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Balayette, ou peut-être balayette. Je vais peut-être virer charge parce qu'en vrai. Bon, c'est pas. J'avoue que Corvaeus il tanque bien, hein. Il tanque sévère. Hein. Zigzaton ? Eh eh. Léméon de Galar. On sent qu'il a envie de manger ton âme hein, quand même. C'est assez. Ah, il a un petit peu de flow quand même. Hein. Linéon, putain, pourquoi toujours. Je dis toujours Liméon, c'est insupportable. Pompe de Galar. Provoque ses adversaires avec sa longue langue pour les mettre en colère avant de les plaquer au sol avec un puissant tacle. Ok. Tronche nuit. Ah bah, bah, allez. Non, c'est la fête des tronches nuit. Bon, bah, je crois que Darnuet ça va vite virer par contre. Allez. Doudou. Bah voilà. Eh, une arène en 15 minutes. Je dis pas non. Merci pour ce combat. Grâce à toi, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Je pensais avoir un esprit inébranlable, mais ce combat m'a ému. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Encore merci pour tout. Prends ce badge de combat. Il t'est mérité. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 40. J'espère que les nombreux combats qui t'attendent serviront à renforcer ton esprit. Hell yeah! Challenger Lanou, bravo pour ta victoire face à Faiza. Tiens, prends cette CT en cadeau. Vendetta! Blablabla, ouais, cool. Voici l'uniforme combat. Ça te fera un souvenir. Ah, merci. Ce match de combat te va à merveille. Bon courage pour la suite. Oh, let's go. Oh. Beaucoup trop de swag. Oh, bon, bah c'est cool. Voltou. Oh, je crois que Voltou tout apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour voir la fameuse fresque d'Holchester. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar et ça pourrait m'aider dans mes recherches. Mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux et de restaurations. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originale. En général, tu as le don pour mettre le doigt sur les détails intéressants. Donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour voir ton avis. Quoi ? Qu'est-ce que. C'était quoi ça ? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque ? Allons voir ! Viens, Voltoutou ! Alors ça c'est un cri de Pokémon. Alors je picolais un peu hein, mais ça c'est un cri de Pokémon. Hein. Je vous le dis clairement. Oh attendez. Teyr Fêlé. Alors ça c'est pour faire évoluer le Pokémon qu'on a vu dans les trailers aussi, mais je sais pas où est-ce qu'on le trouve donc. On verra plus tard. Là, j'ai eu mes Pokémon et on va s'occuper des archéologues là qui ont foutu le bordel. Ouais, ouais, à bientôt. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Ouais, non, non, lâche-moi la grappe. Attendez, faut aussi que je switch des Pokémon dans mon équipe. Forastieri, déplacé.
Hop, ça va là. Bah, du coup, j'ai vraiment fait toute l'arène avec Gorythmic, avec Corvallus. Et les seuls dégâts qu'il a pris sont étaient ridicules, quoi. C'est vraiment. Lino, je vais le garder. Même si il évolue, je sais pas à quel niveau, donc ça risque d'être un peu long. Je vais le déposer, je l'enverrai dans une quête. Dans une mission de. Attendez, excusez-moi. Dans une mission de. Ah, au secours. De centre Pokémon. 35 de nuit. Ouais, c'est un peu long. Ok, je le reprendrai plus tard. Qu'est-ce que je prends comme Pokémon? Vite, je vais aller à la fresque. Vite, hop, Rhydocorn, viens ici. C'est pour les faire level up, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Vite. Ouais, boost, Taras, boost. Allez, pédale. Feignas, monte l'escalier, voilà. Pourquoi elle était derrière Sonia là? Qu'est-ce que... Pourquoi hésites-tu? Détruis tout! Faut tout détruire si on veut récupérer les étoiles veux. Papa, chier! Plus, il me faut plus d'étoiles veux si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Bah, cher Adja, j'ai le Pokémon du président Cheros, non? Tu devrais être content de l'aider dans sa quête d'étoiles veux. Allez, un peu de nerf! Eh, sale fou! Je rêve! Encore toi? T'es vraiment pénible, ma parole! Laisse-moi deviner, tu viens d'avoir l'idée du siècle, l'ensemble des étoiles bleues pour t'attirer le bonheur de grâce, les bonnes grâces du président, c'est ça? Tu finis par comprendre ce que je vois. T'auras fallu du temps, hein? Mais je crois que je vais te laisser faire. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude! Je ne laisserai personne se dresser au travers de ma route! Ah, bah comme ça, direct. Ok. 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 Ok, il a 4 Pokémon. Je vois que j'ai encore à faire du menu fretin. Oh, je suis de malin. Hein. J'ai pas pensé à faire morsure. Et oui, comme il est de type psy. Kuba, c'est quoi? On va faire un Kuba. Type C, donc t'as pas forcément d'avantage. Eh voilà, c'est ça. Ouais. Allez! Putain, vraiment, fallait qu'il utilise protection ou quoi? Oh là là, quel enfer. Allez, prépare une attaque. Seuil. Choc psy. Ça peut faire un peu mal, ça. Et ouais. De rappel, tu reviens à Vorastéri, histoire qu'elle gagne quand même de l'XP. Ouais, je vais le faire. Je vais sortir juste Rhydocorn. Je vais rappeler voir Asteri. Et si Rhydocorn n'est pas mort, je vais essayer d'attaquer avec. Hop. Ah ouais, d'accord. J'ai la potion. On en est là du coup. On va tenter un écrasement avec un peu de chance. Avec un peu de chance, il flippe. Spra! Non, je te speed pas malheureusement. Je suis pas sûr qu'il me tue. Spra! Oh putain, vraiment. On va switch. Je sais pas pourquoi j'ai pas envoyé Corvallus aussi, parce qu'il a ténèbres. Enfin, il a une attaque de type ténèbres. Je suis bête. Hmm.
Ah oui, forcément, là, du coup, c'est pas très efficace. Je suis bête. Allez, va-t'en. Tu m'agaces, Milius. Tu m'agaces. Tout ça pour ça. Vous restez, monte au niveau 38. Eh, Mesmer est là. On va continuer sans changer. Voilà, Corvaillus ça pop là, non? C'est moi Corvaillus ça pop genre de manière totalement impromptue. On va pouvoir spam les arrogances. Hein. En deux coups, ça devrait one shot après. Enfin, ça devrait tuer. Ah, si elle continue de faire rafale psy, moi ça me va. Hein. Avec Begvry, ouais, bon. En vrai. J'avoue, ouais, j'ai le bec. Très fort s'il y a des boosts de stats. Ouais. Et je vois, je vois. C'est prêt. Ok, ouais, cool. Un Chapotus. On va continuer avec Corvaillus parce qu'au moins je suis sûr qu'il va tanker. Chapotus. Ah, c'est l'évolution de Bibichute ça. Oh, c'est quoi comme type? C'est haut, non? Ouais, Begvry. Hein. Bah, yes. Ah, bien donc les capacités utilisées par un Pokémon. Ok. Là, utilise l'attaque acier. Ouais. Je vais faire maintenant au cas où qu'il utilise une super potion. Okay. Oh vraiment. Oh vraiment, t'as assez de chance pour éviter l'attaque là. C'est quoi ça? Tu moques de moi? Oh non. Non, c'est le confus vraiment. Allez, s'il te plaît, Corvaillus. Oui, merci. Ok. Ponyta. On va rester comme ça. J'ai gagné pour le président. Je ne te laisserai pas me priver. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, est-ce qu'il a la forme de Galar, ce bâtard? Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. S'il te plaît. Oh. Si tu veux. Oh, vraiment. Yes. Je pense pas le one shot, mais au moins mi-vie. Ouais, c'est bon. Bon. Impossible calmer le one shot. On est bon. Allez, faut que ça tout. Oh putain, j'avais oublié. Oh, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, Corvaillus. Oui, let's go. Allez, va-t'en. Oust! Va-t'en de là! Ah, mais non! Oh, je refuse cette défaite! J'existe que l'on recommence! Bah, vas-y, mais t'es pas quand même sur le KO. Donc. Oh, quoi? Voir Astéry évolue! Oh, bah, ça a pas beaucoup changé! En prédastérie. Oh bah ça a pas beaucoup changé hein, comme design. Pour endurer les températures plus peu clémentes de Galar, il forme un dôme hermétique avec ses pattes pour conserver sa chaleur corporelle. Ok. Blocos. Blocos. En vrai. Ouais mais c'est pareil, est-ce que je jouerais Vorastéry un jour avec une... En vrai, au pire c'est pareil, je la réapprendrai, c'est pas grave, au pire je
Au pire, je réapprendrai avec le monsieur dans le stream Pokémon. Je n'arrive pas à y croire. Comment une minable comme toi ose-t-elle se dresser sur le chemin de ma grandiose destinée? J'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui qui doit vaincre le maître. J'incarne l'élite de ce pays, le futur de Galar. Repose sur mes épaules. Comment je peux... Travis! J'étais curieuse de savoir pourquoi tu souhaitais emprunter le Pachiraja du président chez Rose. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était pour détruire ses vestiges. Et alors, quelle importance ces vestiges? C'est notre avenir qui joue, le millénaire à venir. C'est pas avec ce genre de scrupules que vous arriverez à servir le président. Travis. Ça me brise le cœur d'avoir à te dire cela, mais... Je suis profondément déçu. Quand je t'ai rencontré, tu étais si jeune et si seul. J'étais ému. C'est pour cela que je t'ai envoyé à l'école des dresseurs. Je retrouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme moi, tu as endurci. Tu as été endurci par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as osé t'en prendre à l'histoire du Galar? Abîmer une fresque? Tu n'es pas digne du défi des arènes. Je déciderai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop empli de déception pour l'instant. Retourne immédiatement à Kiganam et attends-moi là-bas. Cher. Vous plaisantez, monsieur? Pourquoi me disqualifierez-vous? C'est vous qui m'avez choisi. Recommandé, même. Je suis votre protégé, alors je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Travis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. Sonia, là, nous. Quelle tragédie. Oh, quel crève-cœur. Telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Ouais, de rien, c'est quand même moi qui l'ai empêché de... Purée, j'avais de la peine pour Travis, si je me souviens bien de sa présentation pour le défi des arènes. Il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président. Qui a tant fait pour lui, le pauvre. J'espère que la fraise n'a pas trop souffert. Ah, bah... Je crois que... Une illumination! Je vais dire catastrophe, mais regarde! Qui aurait imaginé trouver de telles statues ici? C'est forcément lié à cette fameuse légende. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Bah, les Pokémon, en fait, on les connaît pas. En théorie, tant le lore, hein. Bon, merci. Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier se démarquent clairement du reste. On dirait deux Pokémon. Est-ce que tu remarques autre chose à part ça? Il y a les deux héros. Exactement! Il y avait donc deux héros. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il qu'une seule statue dans le hall de Rose Bouton d'Or? Ces sculptures sont les véritables témoins. La clé de la vérité du passé, bien plus que les tapisseries ou de la statue. Ce qui veut dire que... Non mais les deux sont vrais en fait. C'est relou votre truc. Oui, exactement! C'est ce que je me disais! Avec le temps, les Pokémon et les armes ont commencé à ne faire qu'un dans la légende. Ainsi, l'existence des Pokémon a été doucement effacée de l'histoire. Donc, on a les deux jeunes héros, et l'épée et le bouclier sont leurs Pokémon. Mais pourquoi cacher ces ruines? Est-ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art? Tu réalises l'importance de cette découverte? Je suis heureuse d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça, un événement pareil, ça se fête, ça te servira bien pour le défi des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Corifei. Rappel, ouais, yes, trop bien, merci. Eh ben dis donc, on aura appris quand même aujourd'hui. Bien sympathique tout ça. Bon, Travis est taqué derrière la tête, celui-là. Mais
Mais au moins on en a appris sur la sur l'histoire. Ah t'es... Oh mais t'es... Oh quelle grosse... Secours. Bon, messieurs, dames, YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt, dans 2-3 jours, pour la suite de notre aventure, justement, à Galar. Des bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, l'abonnement, la cloche pour recevoir les notifications, le pouce bleu et surtout le partage. Je vous remercie à l'avance et je vous fais des bisous. Allez, tchou!